Est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Riley Gaines est actuellement poussée sur le devant de la scène par les conservateurs américains pour défendre l'interdiction aux personnes trans de concourir dans des compétitions sportives. But I've spent this past year speaking about the need to keep women's sports for females only and to safeguard women's privacy, security and access to a fair playing field. Diplômée de l'université du Kentucky, où elle était dans l'équipe de natation, elle prend la parole depuis sa participation à une compétition avec une athlète trans qui est née homme et s'identifie aujourd'hui comme femme. Son discours fait écho aux multiples propositions anti-trans faites autour du sport. Le scolaire est visé en priorité, mais l'universitaire et la compétition adulte également. Les conservateurs réclament l'obligation de jouer dans l'équipe du joueur assigné à la naissance. Selon le Kansas Reflector, dans l'état du Kansas, ils envisagent même des examens génitaux de vérification avant les compétitions. Ces projets de loi sont d'ailleurs ciblés sur les compétitions féminines et sur les femmes transgenres en priorité.